Putain, la mère de ce joueur qui campe est sans nul doute une femme exceptionnelle. Personnellement, moi je trouve que Fortnite c'est un vrai jeu, hein. Le graphisme, le gameplay, les constructions, les avions. Pour moi, ce jeu est parfait. Je pense que aucun jeu ne peut battre et rivaliser ce jeu. Fortnite est un vrai jeu, quoi. Putain, GG, franchement GG. Tu étais largement meilleur que moi. Je n'ai pas du tout lagué une seule fois, même si ma box de temps en temps bug, mais GG quand même. Bien joué. Tu étais largement meilleur que moi. Unis tous ensemble, pas de différence entre les plateformes, tous égaux! Désolé les gars, je quitte ma partie, ma copine m'attend pour une relation sexuelle. Désolé les puceaux. Bien joué mec, tu as un niveau plus élevé que le mien, ce jeu est vraiment sympathique, ça te dit qu'on fasse une autre partie? Allez c'est parti! J'adore me faire teabag par des prépubères qui ont plus de skill que moi. Franchement, je trouve que je mérite largement de perdre. Ouais, bien joué à toi. Hein? Ah non, 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 c'est pas à cause de la manette, hein. Non, non, c'est moi qui suis nul. Je sais même pas pourquoi je joue encore ce jeu. Mais j'adore ce jeu quand même. AFK 2 minutes, les gars. Le temps de changer les piles de ma souris. J'arrive tout de suite. Putain, il a été meilleur. Bien joué à lui. Il mérite cette victoire. Tiens, je vais peut-être demander à un ami pour qu'il m'entraîne un petit peu. Voilà. J'avoue que c'est moi qui ai mal joué sur ce coup. Bien joué. Je reconnais qu'après 42 défaites consécutives, je manque largement de talent. Et si je devrais faire une grosse grosse pause de jeux vidéo et mettre un peu plus le nez dehors? M'arrêter en pleine partie? Bien sûr maman, je vais mettre la table, j'arrive tout de suite. J'aime beaucoup sa façon de camper, quelle joie exceptionnelle. Cette mine de poser juste derrière lui, un génie. Ma chérie? Oui, c'est moi, je ne vais pas jouer aujourd'hui. Ça te dit qu'on passe plus de temps ensemble? Ok, à tout de suite. Et si j'arrêtais de jouer aux jeux vidéo et de me lever tôt demain matin et chercher du travail? Avoir une vie sociable, gagner des sous, gagner ma vie. Ouais, c'est largement mieux que les jeux vidéo. Ah non, j'ai perdu parce que mon adversaire était plus fort que moi. Et je pense que même sa mère est tout à fait une personne respectable. Je préfère largement payer mes impôts que jouer à GTA 5, je trouve. Tu viens d'entendre ce qu'il a dit? Non? Bah, ce XX Jean-Kevin XX a raison. Mon jeu est de mauvaise qualité, je devrais arrêter de jouer. Call of Duty est la meilleure licence de tous les temps. Les développeurs sont passionnés et ne font pas ça pour l'argent. Alors là, je suis totalement d'accord avec eux. Je suis trop vieux pour jouer à la console. C'est pour les enfants. Ouais, c'est moi. Je vends ma Xbox One X pour acheter une PlayStation 4 Pro. Ça le vaut le coup, pas? Ouais? Ah bah, je saute directement sur l'occasion, alors. Ouais, c'est moi. Je vends ma PlayStation 4 pour une Xbox One X. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais? Ah bah, je saute sur l'occasion, alors. Ouais, c'est moi. Je vends mon PC Gamer à 1200 € pour un Mac. Ça vaut le coup? Ouais? Ah bah, je saute sur l'occasion, alors. Je suis extrêmement mauvais et tu es largement meilleur que moi. Et mon ping n'a rien à voir là-dessus. Oui, maman, j'arrive tout de suite. Je me pose sur une partie multijoueur et j'arrive tout de suite pour mettre la table. À toutes, les gars. Les PC n'est pas la meilleure plateforme pour jouer à un jeu FPS. Les consoles sont largement au-dessus que les PC, car avec les joysticks, des manettes et tout, tu peux viser, tirer sans problème. Alors que sur un Switch, tu vas à droite à gauche, ça part en couille. J'ai beaucoup de respect pour ta mère, je ne l'insulterai jamais, même si tu gagnes contre moi. Toute cette violence des gilets jaunes? Ah, mais il n'y a qu'une seule raison, hein, c'est à cause de GTA, c'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai assez joué pour aujourd'hui, je vais aller me promener dans les bois.